Mets un pouce bleu à cette vidéo si tu veux que la map de Fortnite chapitre 1 soit de retour. Mais Sion, vous êtes des malades. Hier, vous m'avez fait dépasser les 1 600 000 abonnés pendant mon live où je devais normalement réagir au discours d'Emmanuel Macron. Ouais, ouais, t'as bien entendu, je me lance dans les lives politiques. Non, plus sérieusement, vous êtes des grands malades. En plus de ça, vous m'avez trollé. J'ai commencé le live avec 1 599 000 abonnés. Ensuite, on est descendu à 1 590 000. J'ai perdu 9 000 abonnés en 5 minutes. J'ai commencé à péter un câble, limite les larmes coulaient sur mon visage. Après, j'ai fait un compteur et on a gagné 12 000 abonnés en 2 secondes. Et je veux que ça continue. Toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Rejoignez le peuple des Sion. Nos portes sont grandes ouvertes. En plus de ça, si on obtient les 2 millions avant mon anniversaire qui est le 7 juillet, je me teins les cheveux en blanc. J'aurai enfin atteint le stade ultime. Nextase Ultra Instinct. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie et commencer le sujet parce qu'il est long, vraiment long. Par contre, pour rejoindre le peuple des Sion, il y a d'autres obligations. S'abonner ne suffit pas. Il faut aussi mettre le code Nextase dans la boutique. Pour ce faire, c'est super simple. Vous allez dans boutique d'objets, en bas à droite, soutenir un créateur, vous appuyez dessus et vous mettez Nextase, majuscule ou minuscule. On s'en fout. Acceptez. Et en haut à droite, ça vous mettra créateur soutenu Nextase. Restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. Allez, je suis parti mes Sion, direction le phare, un spawn safe que j'adore sur cette map de Fortnite chapitre 2. Et en parlant de cette map, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, en plus de ça, je ne suis pas contesté, ça c'est vraiment super. Par contre, je vais checker la zone, ok, elle est à 600 mètres, ça va. Je commence moi par me looter petit à petit, et voilà, c'est vraiment super, le chasse bleu qui tombe, et les popos aussi, 200 de vie directement. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais en ce moment, il y a un buzz incroyable par rapport à Fortnite. Les gens ont l'impression que le jeu est mort. Vraiment, on peut même dire qu'il y a eu une nostalgie collective par rapport à la map de Fortnite chapitre 1 et de tout ce qui s'est passé dessus. Actuellement, les gens commencent à en avoir marre de la map de Fortnite chapitre 2, ainsi que tous les détails cachés qui sont derrière. Comme par exemple le matchmaking qui pour moi a détruit totalement l'expérience de ce Fortnite chapitre 2, alors qu'en vrai de vrai, il y a quand même beaucoup de potentiel. Tu vois, je suis en train de parler du matchmaking, un truc éclaté au sol et j'ai looté une hog légendaire, même le jeu veut qu'il l'enlève. Oh là là, par contre je suis en fight les amis. Ok ok ok, j'ai touché le mec une fois. On va essayer de l'atomiser le plus rapidement possible. Le mec, si je dis pas de bêtises, veut me faire tomber. Et en fait pas du tout, il veut juste prendre le high ground. Et ce qui m'intéresse moi, ça serait vraiment de le tuer, parce qu'il a, si je dis pas de bêtises, le petit grappin mythique et la scar mythique qui vont nous mettre super bien jusqu'à la fin de la game. Ça c'est ton pas assuré, je vous le dis. Quand je parle de nostalgie, je parle par exemple du mode sensu, un mode qui a totalement révolutionné le jeu, qui lui donnait du peps, une nouvelle vie. Le mode sensu était disponible dans tous les modes de jeu. Au final, Fortnite a décidé de l'enlever et de le laisser en compétition. Un choix qui, sans vous mentir, pue bien la merde. Oui, je vais être salé dans cette vidéo. Mais il n'y a pas que ça, je vais prendre tout simplement une ville, Tilt Tower. Cette ville a laissé son empreinte sur le jeu pour toujours. On ne l'oubliera jamais, elle restera gravée dans nos cœurs. Et par rapport à la nostalgie, je ne t'ai pas encore tout dit. Mollo, mollo, il va falloir que tu restes jusqu'à la fin. Quelque chose qui est arrivé à la fin de toutes les saisons, les événements. Et je sais, ça peut paraître fou, mais pour le moment, depuis le début de Fortnite chapitre 2, il y en a eu 0. Ça fait 6 mois, ça commence à faire vraiment beaucoup là. Moi maintenant, j'ai envie de vous poser une question, elle est très très simple. Est-ce que la map de Fortnite chapitre 2 est si mauvaise que ça? Eh bien la réponse est non, mais il y a eu trop de déceptions. C'est vrai que faire une nouvelle map, c'est un truc de malade. Après le trou noir, tout le monde était choqué, tout le monde était heureux. Parce que ça venait de Fortnite, on s'attendait à tout simplement un après. Et pour le moment, rien du tout, même si cette saison 2 est un début de réussite. Fortnite chapitre 2 saison 1 était totalement éclaté au sol. On a eu limite 0 mise à jour, sans événement. Mais en vrai de vrai, je peux comprendre, ils ont créé une nouvelle map de A à Z. Bon, même s'ils ont repris certaines villes qui étaient déjà disponibles, des villes emblématiques de la première carte. Mais si on regarde la globalité, c'est que de la déception. Maintenant, j'ai envie de vous poser une nouvelle question. Elle est comme la dernière, elle est super simple. Est-ce que tu penses que la map
de Fortnite chapitre 1 peut revenir un jour. Par contre, j'ai oublié de le préciser, mes Saiyans, mais n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Vraiment, aujourd'hui, c'est une vidéo grave information. J'adore faire ça et j'adore lire vos avis. J'aimerais bien aller choper le kill juste avant. Allez, on va y aller, on va faire une petite coupure, vous inquiétez pas. Je vais continuer le sujet parce que ce n'est pas du tout terminé. Est-ce que j'ai pu lui mettre une balle? Oui, ça touille, c'est vraiment pas si dégueu. Le mec est juste en dessous. J'essaye, voilà, de reprendre ses petits edits. Il est juste en bas. Allez, vite, faut que je me bouge. C'est compliqué là, c'est compliqué. Le fight commence à durer un petit peu longtemps. En plus de ça, s'il doit y avoir du coup d'autres personnes après, comme par exemple la personne qui vient d'arriver, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ok, moi je prends bien le height. Le mec veut monter, mais on va essayer de faire notre possible pour qu'il ne monte pas. On mange un maximum de popo. En plus de ça, il y a un mec sur la tyrolienne là-bas. C'est compliqué. Il faut que je me casse. C'est en train de casser le bas. Et heureusement que j'ai claqué mon pad. Le pad qui est notre sauveur. Tu es mon héros dans cette game. C'est super bien de se concentrer autant sur un sujet aussi croustillant, mais il faut aussi avoir une belle finalité, le top 1. Mais le fou, je suis pas Nextase, le roi des Saiyans pour rien. Ok, la zone est juste devant moi, je vais terminer la game rapidement et après continuer. Je mange un maximum de bois ici, du rocher, miam, j'adore les rochers. Ça fait vraiment plaisir là pour le coup, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance de faire top 1 dans cette game vu que j'ai quand même le grappin. Ça va être notre second sauveur après le tremplin. Je suis toujours top 5, les gens ne veulent pas mourir dans la partie et ça me fait vraiment chier. Mais bon, c'est pas notre problème, nous on continue notre petite aventure. Je suis maintenant top 3, tous les derniers joueurs sont en face de moi. En plus de ça, je suis dans la zone. Pour le moment, c'est vraiment parfait ce qui se passe. Allez, la belle finalité, elle est maintenant. C'est en train de se battre. Est-ce qu'il y a moyen de toucher là pour le moment? Non. Mais vous inquiétez pas, je vais arriver. J'ai quand même la meilleure arme du jeu, les amis. La Scar mythique. Allez, on tire. Le mec est hyper haut. J'aimerais bien le faire tomber. Voilà, allez, ça tombe. Est-ce qu'il va manger des dégâts? Je ne pense pas. Mais il est quand même tombé. La zone est en face de moi. Ça va être compliqué. Il va falloir que j'avance. Eux aussi. J'aimerais bien caler un coup de grappin pour reprendre le high ground. Mais ça a l'air compliqué. Quoique. Non, c'est pas du tout compliqué en fait. J'ai le high ground, les amis. Est-ce que je peux le garder? J'en sais rien. J'espère que oui. Vous savez quoi, nous on va rapidement, voilà, se caler sur ces constructions. Allez, hop, on monte. Le mec est juste en dessous de moi. Je vais encore une fois connecter, faire attention, le mec est descendu. Oh, il a claqué un pad, j'ai touché une fois, il est vraiment one shot. Est-ce qu'il y a moyen de le finir? J'ai pas l'impression, et il est mort. Le gars est sur moi, le dernier. Allez, on spam. Il est one. Moi aussi je suis one. Et le top 2, mais non! J'ai vraiment loupé ça, je suis mort de chute parce que je n'avais plus de construction. Malheureusement, il y a des jours où ça ne passe pas, mais c'est pas grave, le gameplay était secondaire. Ce que je vous mets maintenant à l'écran, les amis, c'est un gameplay de la map de Fortnite chapitre 1. Un gameplay d'une des premières saisons. Je ne me rappelle plus de laquelle exactement. La question était la suivante. Est-ce que la map de Fortnite chapitre 1 peut revenir? Moi, j'ai envie de vous dire oui et non, mais j'aimerais commencer par le non, car elle a été détruite. La destruction de la map de Fortnite chapitre 1 s'est passée durant l'événement de la saison 10. Voilà, on est au courant. Toutes les fusées sont arrivées, ça a créé un truc bizarre sur la météorite. La météorite après est allée dans le Nexus et là, boum! Mais vraiment un gros boom. Comme l'atomisation que je vais lui mettre. Voilà les petites constructions. Hop. Et ça va mettre la petite balle. Ça dégage. Après, moi j'ai envie de vous dire oui. Fortnite appartient à Epic Games. Ils font ce qu'ils veulent parce que c'est leur jeu. Ça leur appartient. Ils trouveraient une solution pour que ça concorde totalement avec l'histoire. Mais ce n'est pas à faire. Fortnite, ne le faites pas. Et vous allez me dire directement pourquoi Nextase, nous, on reveut le Fortnite d'avant. J'ai envie de vous dire non, totalement non en fait. En conclusion, ce qu'il faut tout simplement se dire, et c'est totalement la vérité, c'est qu'il faut avancer, laisser le passé derrière nous et se focaliser sur l'horizon qui est l'avenir. Oui, il y a des changements à faire, mais il faut rester sur la map actuelle, la map de Fortnite chapitre 2. Je vais le redire parce que c'est super important. Il faut laisser le passé derrière nous et se concentrer sur l'horizon, sur l'avenir. Attention, le petit top 1 qui va arriver, il va péter, le mec est en dessous, il campait, je m'en rappelle. Allez, vite frérot, il me semble même qu'il va mourir de la zone, ce bambino. Ça va arriver maintenant, il vient de manger, mon petit trap, il veut sortir et la zone va le manger. Le top 1 à l'ancienne avec la musique, c'est beau quand même.
En réalité, je peux comprendre. Je peux comprendre toute cette haine qu'il y a envers la map de Fortnite chapitre 2. Mais attendez, mollo mollo, laissez-lui le temps de créer sa propre histoire. Ça va arriver, il faut juste être patient. Dites-vous que c'est la fin de la saison. On va voir, nous, un événement et peut-être même un événement final ainsi qu'un événement progressif. Que le yacht avance et crée sa propre histoire. La première histoire de Fortnite chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement ça m'a fait plaisir d'avoir un petit peu de nostalgie et de bonne nostalgie. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire par rapport à toutes ces questions. Vous savez quoi? Vous marquez la question et votre réponse. L'autre question, votre réponse, ainsi de suite. Je les regarderai tous. En tout cas nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Nexta, je vous aime. Peace.